Après une belle nuit bleutée de lune, le petit homme qui voulait devenir un oiseau revêtit son costume de plumes multicolores, sortit discrètement de la maison et traversa le jardin silencieux. Parvenu à la forêt noire, toutefois, il se mit à frissonner. Si les loups me mangent, pensait-il, mais mieux valait se faire manger par les loups que de ne pas réaliser son rêve. L'homme n'est pas fait pour voler. 15 ans déjà. Voler, c'est pourtant l'espoir. Aujourd'hui ou jamais. La revanche des oiseaux.
Arlette! Arlette! Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça y est! Arlette! Quoi? Abel! Si c'est pour ça que tu me réveilles. Non, non, cette fois-ci, c'est pour de vrai. Il m'a téléphoné. Quelques petits ennuis mécaniques, mais rien de grave. Allez, je t'emmène. Non, non, mon cher Saint-Ex, depuis le temps que ça dure, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui ou jamais. C'est lui qui me l'a dit. Arlette, tu peux pas faire ça. Je peux ce que je veux. Arlette, tu peux pas être là. Ah, mais non, mes pensionnaires. Chut. Pensionnaires, on s'en fout. Tu veux réveiller. C'est la cathédrale de la voisine de l'île. Chut. Oh, écoute. C'est pas ma voisine qui va leur faire à déjeuner. Mais si. Mais non. Salut, mec! Merci. Tout le plaisir est pour moi. Alors, vraiment, tu peux pas savoir. Bon, va voir ça. Hein? Encore ces cons d'oiseaux, hein? C'est pour de vrai, là. Hein? Vrai, vrai, vrai. On verra. Tu fais un petit café? Saint-Ex? Bien corsé. C'est le pain comme avant? Comme avant. Encore 15 minutes. 14. À la tienne, mec. Hein? Tu me fais rajeunir de 20 ans. Vraiment? 15 ans. C'est déjà pas mal. T'as pas acheté ma vieille tasse? Tu te fais un cadeau d'anniversaire? C'est demain. Oui, je sais. Il y a une... des fourmis. Bien sûr.
petite marde. De par ma chandelle verte! Attention, fourmi! Vous l'avez lu? Et? Il l'a lu. Et? Mais nous sommes tous les deux témoins que vous l'avez bien lu, n'est-ce pas? Et le reste, Il a ainsi fixé à midi précis le 17 juillet 1997 la date du remboursement total plus les intérêts de la dette globale d'Ariane Air. Sans quoi nous nous verrons dans l'obligation de saisir tous les biens sans exception appartenant à la dite entreprise. Le 17 juillet, c'est demain, vous avez jusqu'à midi tapant. Et sans quoi? Au revoir. C'est ça. Au revoir. Syntex. Les fourmis.
Abel, my son, mon fils. T'en feras jamais d'autre. Retourne-toi-en donc chez vous. T'as pas d'affaires ici, vieux sacrament. Avec l'argent que tu m'as envoyé il y a 30 ans, je me suis acheté mon avion. C'est de ta faute. Hein? Sacrement! Ça fait combien de temps que vous êtes parti, au juste? Il y a déjà 50 ans. Vous avez vraiment mal choisi votre jour. Ah bon? Vous êtes toujours dans les bananes? Non. J'ai vendu la plantation il y a déjà 15 ans. Agora sou empresário, sou toujours en affaire. Tiens, 15 ans, vous aussi. C'est qui le français? Antoine? C'est l'associé d'Abel depuis 13 ans. Toi puis Abel? Abel et moi. C'est tout droit. Vous n'êtes pas grand-père, non. Disons que... le cours des choses nous a séparés depuis quelques années. Ah bon? Paradis chez vous. Merci. Faut avoir connu l'enfer pour dire ça. Yes.
Hi. Hi. Sleep well? Yeah. It's so quiet. Breakfast is great. Hi. Hi. Well, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. See you. Bye. C'est mes jeunes mariés. J'espère que vous dormez dur. Quand je dors, as we say in English, qu'est-ce que tu ferais si tu étais dans mes souliers? Ils sont grands, vos souliers. Pour le moment, je les enlèverai. Puis, Abel? Non. Merci quand même, Denise. Je te présente Napoléon, son père, ma voisine Denise. Son père? Abel. Enchanté, mademoiselle. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. On ne sait jamais. On sait que ça, Abel. Rémi? Rémi? Le rêve passe, le rêve passe. Un nom dont la mémoire est chère à tous les Canadiens, c'est le tout nom de Madeleine de Verchères, la terreur des Indiens. C'est exprimé. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, ah ouais. T'inquiète pas, mec. Tu vas remonter. Pas vrai, vieux frère? Oui, oui. Écoute, pousse avec, pousse copain. Pousse pas compte, hein, ouais. Faut que tu revoles. Je vais revoler, oui, oui, un autre tantôt, hein, ouais, vite. Aujourd'hui ou jamais. C'est toi qui m'as dit ça aux aurores. Excuse-moi de t'avoir réveillé si tôt. Vraiment, tu te fous. Can I speak to Fred, please? Ah, he's in Seattle, I see. When do you expect him? Huh? Yes, well, there is a message, yes. Very urgent. Very urgent. Abel. Abel. Oh. A-B-E-L. Tell him it's about my plane. Tell him I'm selling my... my tiger moth. I'm selling. Yeah. Well, as soon as he can. Okay. Anytime. Merci. N'importe quand. Thank you. Avec Ariane au lieu de la vendre. Tu ne trouveras jamais plus un zinc comme ça. Tu le sais aussi bien que moi. M'envoler comme un voleur. J'irai où? Tu voudras, merde! Fallait, toi, such a... Ariane t'appartient. Puis je suis trop vieux pour jouer les cowboys. Moi, je suis trop vieux pour rêver.
Ariane, c'est un vieux rêve. Mais non. On ne sait jamais. On sait toujours. Bon, tout ça, c'est de ma faute. C'est de la mienne. Mais non, ça c'est de ma faute. Je le sais, je le sais. J'aurais dû faire autre chose, mais... Donc on est pogné dans le même avion, Saint-Ex. Qu'on saute sans parachute, hein? Donc, je sais que c'est pas mes oignons, mais qu'est-ce que tu comptes faire avec ton vieux? Saint-Ex. Ah, je comprends. Mais s'il est aussi riche qu'il en a l'air, c'est mes oignons. Et plus comme je veux. On met un coude qui ne tourne pas rond, tu peux me croire. Pilote. Crois-moi, j'en ai vu. Bonjour. Bonjour. Hey, Globe Swift 1947, 125 chevaux. Vitesse de croisière, 140 000. Merci, hein? Bon, c'est la moindre des choses. Dites donc, vous êtes un sacré pilote. Pas vrai, Abel? Hein? Ah oui, oui. Et croyez-le, il en a connu. Antoine Brumel, enchanté. Mylène Bouchard. Abel Gagné. Bonjour. Alors, votre taxi, mademoiselle Mylène. Avion. Globe Swift. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Je sais pas trop. N'en faites pas. On va vous retaper ça en moins de deux. Tout un mécanicien, Antoine. Bon hiver, bon hiver. Et croyez-moi, j'en ai connu.
Il vole? Une hirondelle! Pas vrai, Abel? Ouais. Tu peux le piloter? Il est vendu. Tout comme. Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? C'est la vie. Vous avez peur que je le casse. Je suis un bon pilote, pourtant, vous me l'avez dit tout à l'heure. C'est ça qui est ça. Cher papa, le temps, comme tu m'as dit, il y a 8 ans, un petit peu avant la mort de maman. Le temps. Efface bien des choses. Aujourd'hui, j'aurais le goût de te connaître. J'aurais le goût de t'emmener faire un tour dans les 10 avions que je pilote. Je sais pas si tu te souviens, mais... Le Québec, c'est beau. Mes filles, je suis là pour ça, faire un tour d'avion avec toi. J'espère que toi aussi, tu te portes bien. Sans rancune. Fils de Napoléon. Je vous en prie, mademoiselle Mylène. Bonjour, Arletty. Je te présente Mylène, un ange tombé du ciel. Allô? Bienvenue sur Terre, mademoiselle. Hi, Tony. Monsieur Bonaparte. Napoléon pour les amigos. Napoléon pour les intimes. Mademoiselle Mylène. Monsieur Napoléon. Allô. Santé. Bon, eh bien, je vous lâcherai un coup de bigophone dès que j'aurai le diagnostic. Hein. OK, merci. C'est tout un mécanicien. Abel, je veux dire, monsieur Gagné m'a dit. Mais Ophélio, Abel Gagné, c'est mon fils. Ah.
It's amazing. That can't be real. It's like a toy or something. Oh, my gosh. Can we go for a ride in this, I wonder? I don't know. Wouldn't that be amazing? It is real. Oh. Hi. Hi. Bonjour, monsieur. Nunu's come to fly. How much? Not this one. No. No. The pilot is not here. Soon. Oh, okay, fine. Fine. How much? How much? I think it's gonna be too much. Is free too much? Free? The special of the day. Thank you very much. The pilot. See? Perfect. Always perfect. Madame, alors, tu as volé ou non? Non. Est-ce que Fred a appelé? Non. Des clients, gratis. Pourquoi? T'en feras moins à saisir par la banque. Tu as raison. Baptême de l'air? Bonjour. I see. English people. Yes. Charming people. Thanks. Baptême de l'air? I'm not sure. Excuse me. Oh, okay. I speak very badly English. Oh, it's okay. No, it's okay. It's your first time? Yes. 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 Good. Bon. Come in. That's okay? Yeah, it's okay. Yeah. Okay. Great. We'll get a beautiful baptême de l'air. Baptême de l'air. Gonna get our camera. I have to get a picture. She's coming. Oh, it's my home. It's your home. Yes. C'est que t'avais faim. Moi aussi. Je veux dire, je pensais que t'avais faim aussi. Comme ça, ça doit être beau le Brésil. Tous les pays où on se sent heureux, c'est beau. T'es pas heureux ici? T'étais pas heureux ici. J'étais trop jeune. Ça n'empêche pas d'être heureux. T'es heureuse? Heureuse? J'ai pas encore quitté le Québec. T'es pourtant très jeune. Je suis pas jeune, t'es pas vieux. On vit, c'est tout. Puis on meurt. Ah si, je comprends. Mmh.
Arlette? Excuse-moi. Napoléon est pas là? Il est parti avec Mylène. Ben, pas de temps, le vieux. Mais toi, oui. Est-ce que... Non. Hein? Une chose à la fois. Faut d'abord que j'y règle son compte. Il a pas dit quand est-ce que... Non. Tant qu'à y être, mets-toi de son bord, hein? Dans ce cas-là, je vais l'attendre. Fils, peut-être. Tu l'aimes, ma belle? Mais Ophélia. Tu veux pas dire que tu l'aimes? Penses-tu que ça va s'arranger? Tu peux pas lui en vouloir. Pourquoi? Il aurait pu se grouiller le cul, aller te voir au Brésil. Moi, je t'aurais pas lâché. Je t'aurais fait chier jusqu'à ce que tu m'aimes ou que tu crèves. Ton père, toi. Il m'adore. Moi aussi. C'est un grand pilote. On va faire le tour du monde ensemble. Ouais. Quelle couleur sur tes yeux? Ça marche ou ça ne marche pas, oui, oh merde, ça roule ou pas. Et puis ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais peut-être retourner au Brésil. Amène-moi avec toi. Tu m'as dit que tu allais faire le tour du monde avec ton père. C'est vrai.
On ira te voir. Arrête. Arrête, arrête l'auto. T'es compté des menteries. Je te compte des menteries. Je m'appelle Monique, pas Mylène. Qu'est-ce que ça change? Pour toi, rien. T'as raison. Tu me fais penser à mon père. Il prenait tout du bon côté. Pas moi. Qu'est-ce que tu veux dire, il prenait? Il est mort bêtement. Quand j'avais 10 ans. Il est mort ici. Je suis certaine que c'est ici. Il est mort là, là. Seule, Napolo. Seule au monde. Toi? La tornade Loulou, il y a 2 ans. Mon yacht a coulé. J'ai perdu ma femme, mes 2 enfants. Mes 4 petits-enfants. Maudite merde! Tu restes juste à belle comme ça? Et puis toi, Monique. Ça repart le 19 novembre 66. Chère épouse et cher fils. Depuis ma dernière lettre, il y a 10 ans,
J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, les affaires vont bien, la santé est bonne. L'an dernier, j'ai attrapé la fièvre. Mais pas cette année, ma récolte de bananes a été excellente. Mes deux enfants vont bien. J'aimerais aller au Canada à cause de la neige. On leur a beaucoup parlé. J'espère que... Vous savez que ce n'est pas mon fort d'écrire. Je vous envoie un petit cadeau. Petit cadeau. À cause que je vous ai rien envoyé qui écrit mal depuis que je suis parti. Mais le temps, comme on dit, efface bien des choses et la providence est généreuse. J'aimerais savoir ce que vous devenez. Sans rancune, Napoléon. Le temps efface bien des choses. En effet. Arlette! Le fin est assez. Le temps efface bien des choses. T'as raison. Faut que je fasse ce que j'ai à faire. Moi? Ah, pas moi. Et mademoiselle Mylène? Monique? Pas Mylène. Partie chercher une brosse à dents. Monique? Comment ça, Monique? Ben oui. Monique? Hein? L'avion, il est au nom d'une Monique Tremblay. Je savais bien qu'il y avait quelque chose là-dedans qui tournait pas rond. C'est quoi? C'est que l'avion, il tourne rond. Parfaitement. Nos problèmes, c'est ça qui tourne pas rond. Mais good. Un petit coup de rouge ou de blanc? Un petit coup de rouge, ça se refuse pas. Ah, du blanc ou du rouge. Le vin, c'est bon pour le cœur. Non.
C'est Napoléon qui vous envoie, hein? Une petite conspiration, peut-être? Monique? Je suis venue me venger. T'as tué mon père. Voyons. Abel. 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 Abel, c'était pour te faire peur, c'était une balle blanche. Abel. Abel. Abel, c'était juste une balle blanche, Abel. Et si c'était une balle noire? L'amour, 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 toujours. L'amour, jamais, jamais l'amour. Comment ce couillon d'Abel a-t-il pu laisser tomber une fée pareille? Une femme, Antoine. Ah. Une femme. Voilà. Si c'était à refaire, je commencerai par naître au Québec. Oui, puis, oui, 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 je la connais, ton histoire. Ah. Les fourmis. Mona, il faut que je te parle. J'ai besoin d'argent. De beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Non, pas pour moi, pour ton fils. Of course. Le chemin t'a mis sur notre destin, Napart. Ce que je veux dire. Tienne. Je t'en ai voulu à mort. J'ai bien vu ça. Non, moi aussi. Tu m'en as voulu. À moi? Oh. Mais là, tu m'as tué. C'est fini, regarde. Je suis mort. T'as pas changé. Beaucoup. Et toi, non. J'avais juste 10 ans, maudit. Moins 5. Toi? Ouais, Napoléon a crissé le camp. T'avais encore ta mère, toi. Pas moi.
Ta tante Mathilde. C'est qu'elle n'a jamais voulu que je te revoie. Pour mon bien. Pas que j'attrape la maladie de papa et la tienne. Vous savez, vous m'avez rendu malade. J'étais encore au berceau. Vous m'ameniez partout, tu t'en souviens? Je suis tellement bien dans mon ciel. La fois, j'ai plus le goût de redescendre. Tu sais ce que je veux dire? Non. Tante Mathilde est morte l'an dernier. Mon avion, c'est son héritage. Ah, moi aussi. Moi aussi, mon avion, c'est en partie ma tante Mathilde. C'est en partie mon héritage. Oh, si elle savait. Il est beau. Il te ressemble. Tu me pardonnes? Ben oui. C'est moi. Ma haine de petite fille orpheline. Ça m'a toujours arrangé de penser que tu avais tué papa pour vrai. Tu y penses souvent, mon père? Tous les jours. Mais pourquoi, Cabelle? Oh, c'est bête. C'est vraiment trop bête. Il volait avec Paul, le père de Monique. Et le moteur a calé. C'était pas la première fois. Ariane planait comme une hirondelle. La belle a réussi à poser l'avion dans un champ pas loin d'ici, puis le train d'atterrissage s'est fracassé, Paul a été éjecté, puis s'est fendu le crâne sur une pierre pas plus grosse que ça. 6 pouces à droite, 6 pouces à gauche, il serait rien passé. Ça fait 15 ans. Votre cher fils a pu jamais voler. Alors, j'ai fini par m'envoler ici toute seule. Oh. Tout ça, c'est nono, stupide, banane, fucky. Qu'est-ce que ça vous prend, vous autres, les hommes, pour apprendre à vivre la vie comme elle est? Je m'excuse. Je vous ai mis dans le même sac qu'Abel. Ah, je comprends. Pas moi. Serait-il quelque chose à te raconter, Arletty? Ton père te demande pas la fin du monde. Moi, si papa... Moi, non. J'aimerais mieux qu'il soit mort. Dis pas ça. T'as pas le droit. C'est ça qui est ça. C'est toi, on dirait, qui aimerait mieux être mort. Ah. Mais tu veux pas savoir pourquoi il est parti? Pourquoi il est revenu? Fais-le pour moi. Monique, c'est pas aussi simple. Oh, c'est pas aussi simple, pas aussi simple. Il lui reste juste toi, calice. Il t'a raconté des menteries. Oh. Ben, tu m'as bien menti. Toi. J'aurais dû te tuer pour le vrai. Pas pour le faux. Maudit. Plus drôle que ça, tu meurs. Ouais, les fourmis. Fais-toi-en pas. Je vais sacrer mon camp demain. Monique.
Oh. Attends-moi, ça serait pas long. Abel, si t'as encore un peu de cœur, tu vas écouter ce que Napoléon a à dire. 2 minutes. Ça va prendre 2 minutes. Ça sera pas long. Hein? C'est moins long que 50 ans. Hey, c'est une vraie conspiration, ça. N'inquiète-toi pas. On va fermer les fenêtres. Je vais essayer de faire ça vite. Je reviens au Québec, tu me reçois les bras ouverts. C'est dans mon rêve, ça. On part en expédition dans le Grand Nord, toi puis moi, dans ton avion. Après des semaines et des semaines, des tempêtes, des accalmies. Ils se posent sur un banc de glace qui dérive. T'as faim? J'ai faim. Je mange à m'éclater le ventre. Tu sors un gros fauteuil, celui du salon. Autrefois, que ta mère aimait tant. Abel l'embrasse puis dit « Je t'aime, papa. » Je te dis « Je t'aime, mon fils. » Tu montes dans ton avion et tu décolles. Abel décolle, Napoléon reste là. Il l'abandonne. Je restais là, heureux. Je regarde les nuages, la mer noire, les glaces vertes. Et je m'endors. Et il s'endort. Pour toujours. C'est juste un rêve. Veux-tu une bière? Veux-tu une bière? Français.
Obrigado. T'as pas entendu chanter Félix. T'as pas vu jouer Maurice Richard. T'es parti avant que ça se passe, tu reviens. Quand c'est passé. Le loup, le renard, le lièvre. Comme dans la chanson. Of course, c'est la devise du Québec. Quoi? Je me souviens. Je me souviens pas. Depuis quand? Depuis qu'on a tout oublié. Incredible. Come dans mon rêve. Now I know. Ta mère avait monté dans un avion semblable à celui-là quand elle était enceinte de toi. Es-tu? Mm-hmm. C'est peut-être le même. On sait jamais. Ouais. On sait pas toujours. What a beauty. Comme maman. Sorry, son. J'ai pas eu le courage de rester. Hein? Juste de partir. On se serait détruit, ta mère et moi. Étouffé, des plantes dans un pot trop petit. Tu m'as laissé pousser tout seul. Allait mieux que tout croche. Ouais. Des fourmis. Faux.
Comme ça, t'es riche. Riche, riche, riche. Tu te sens pas trop coupable? Très coupable. J'ai donné du travail à des centaines de gens. Ils seraient peut-être tous morts de faim. T'aurais pu faire ça ici. Mais qu'est-ce que tu veux? Le pays appartenait aux curés puis aux Américains. Le business était pipi-caca. On passait notre temps à prier et puis on se laissait exploiter. Je lâche très bien ton aéroport. J'en veux pas de ton maudit d'argent. Ça donne bien. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu! J'ai tout perdu! Tout investi dans ce qui devait être le plus gros centre commercial de Rio. L'évaluation de la monnaie, gros scandale. T'es un bandit? Sorry. J'ai rien fait. Forget it. Si tu veux bien, on va dépenser mes derniers dollars ensemble. Tu m'envoyais pas à ma chambre? C'est ta mère qui te punissait. Ah ouais. Ah. Bon anniversaire. De par ma chandelle verte, tu te souvenais de ça? Plus l'on vieillit, plus on se souvient. C'est pour ça. Le Québec est trop jeune. Ça a été un long 2 minutes. Ouais. Je n'ai jamais rien compris à la poésie, à la grande musique non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis un homme d'affaires. 1 + 1 = 2. Plus l'intérêt. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu me fais penser à la poésie et à la grande.
bouge pas. C'était la musique préférée de ta mère. Abel et Napoléon s'écoutent. Tabernacle. Je crois que cette fois-ci, j'ai un petit peu trop forcé la dose. Quel bruit! Quelle fureur! Quel vacarme! Non, non, pas ça. Non, ça, c'est trop fort pour moi. Ah non. Page 5. C'est là que t'étais rendu quand t'as fermé le livre, pas la lumière, pendant 50 ans. Parvenu à la forêt noire, toutefois, il s'est mis à frissonner. Si les loups me mangent, pensait-il, mais mieux valait se faire manger par les loups que de ne pas réaliser son rêve. Il ferma les yeux, fonça dans la terrifiante forêt. S'enfargea, tomba à plat ventre. Son cœur allait éclater comme une goutte de pluie sur le feu d'un volcan. Il ouvrit les yeux, se releva,
avançant en regardant droit devant lui. Plus il avançait, plus la forêt s'éclairait de ses désirs. Dorénavant, rien ne pouvait plus l'arrêter. Il parvint bientôt sur le bord d'un haut précipice, d'où il voulait s'envoler. Bonne nuit, mais on fait là. Aujourd'hui, j'aurais le goût de te connaître. J'aurais le goût de t'emmener faire un tour dans les petits avions que je pilote. Si je comprends bien, il va faire froid. Où on va? Ben moi, je vais m'occuper des avions. Bon voyage. Merci de m'avoir tué. Je meurs, et je n'ai pas encore vécu. T'es fou, tu l'as toujours été. Attends. Ah, je suis pas vieux, t'es pas jeune. Ah, on vit, c'est tout. Le plus longtemps possible. Un petit cadeau. Je vais revenir. Come on. Papa. Dépêche-toi. Vite, 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 vite. Oh, oh.
Hi, Abel. It's Fred. Sorry I'm still in Seattle. What great news. Just name your price. Phone me back when you can. Bonjour. Le petit homme, qui voulait devenir un oiseau, avait vécu son rêve. Il pouvait dorénavant rêver sa vie. Si loin, Québec, pour que tu ne m'appelles pas. Est-ce si loin, Québec, pour que tu ne sois pas là? Est-ce si loin, Québec, pour que se touche pas? Est-ce si loin, Québec, pour m'oublier déjà? Je te sais très occupé avec bien des chats. Ton petit loup s'ennuie, tu joues plus jamais avec lui. Est-ce si loin, Québec, pour que tu ne reviennes pas? Est-ce si loin, Québec, tu n'arrives pas? Est-ce si loin?
C'est pas si loin.